2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cessez. Bah, un champion dans ma classe, c'est pas tout le monde qui l'a, quoi. Ta colère, vas-y, ça c'est bien. Voilà, plus fort, tu peux crier si tu veux. Voilà, voilà, encore, super, plus fort. Waouh, on peut l'applaudir. C'est bien. Lui, il frappe fort aussi. Hein. Être fort, ça veut pas dire être imbattable. Quand on dit fort, c'est pas dit violent, c'est pas dit méchant. Ce sont des gens qui devinent ce que vous allez faire et qui sont tellement rapides qu'au moment où vous frappez, ils sont plus devant vous. Ils sont soit derrière vous, soit sur le côté. Recommence ce bras-là. Je vais le bloquer, tu fais l'autre bras, je vais le bloquer, c'est-à-dire que je vais le pousser. Et tu recommences, tu reviens. Hop ! Ah, ça va vite, hein ? Salut ! On y va, deux par deux. Tu vas bloquer, fais-le-moi sur ma tête. Je me protège. Mais il faut quand même un qui touche, une qui touche. Oui, ça va être dur. Ah oui, donc il va falloir feinter. Attention. 1, 2, 3, 4. Qui peut me faire un rapport entre le sport de combat et la violence? Le sport de combat, c'est qu'on veut le faire et on aime bien. Et un combat, c'est qu'on veut peut-être pas. Et en fait, on est obligé. Le sport de combat, ça a des règles, ça a un sens, alors que la violence, la plupart du temps, ça n'a pas de sens. Alors pourquoi je vous parle de la violence? Parce que c'est quand même, on voit ça partout, et puis on en a toujours un petit peu dans la tête. Alors si on en a dans la tête, encore, c'est pas grave. Parce que bon, on peut être énervé, mais après, ça passe à d'autres degrés. Quand on s'amuse, mais encore plus quand on se fâche et que nous dialoguons avec les pieds et les poings, et que la langue est couchée, je vais vous montrer comment un os se casse. Surtout pas un capitaine. Un capitaine, il mène l'harmonie, l'esprit collectif, la performance d'un groupe. Donc si tu veux le motiver, dis-lui d'autres mots. Regarde devant toi, plie tes bras, plie tes jambes, ne reste pas devant lui. Attention à sa jambe gauche. Et là, il comprendra ce langage. Et c'est digne d'un capitaine. On y va ! Voilà, doucement, pour démontrer. Exactement. On recommence, c'est bien. Vas-y. 1, 2, 3. Bonjour, je m'appelle Charlotte. Le sport, c'est très bien car on peut rester en forme et puis on restera en bonne santé. Ma passion après l'école, c'est la natation. Ma passion, c'est le cheval. Ma passion, c'est la motocross. Ma passion après l'école, c'est le tennis. Ma passion, c'est de sortir avec vos copains pour aller jouer au foot. Ma passion, c'est le basket. Mon sport favori, c'est la lutte. Ma passion, c'est le cheval et retrouver mes copines quand je sors. Ma passion, c'est le badminton. Ça va vite, voilà. Encore. 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 C'est pas faux, c'est pas faux. Attention. J'ai passé un super moment avec les champions du karaté. C'est vraiment chouette le karaté. Et même s'il y a quelques différents de la boxe thaï, c'est quand même chouette. J'aime bien le sport parce qu'on peut se défouler, tout ça. Et merci pour cette journée. Un champion dans ma classe. Un champion dans ma classe.